Le ministre de l'économie et des finances, M. Patrick Boisvert, ensemble avec le gouverneur de la Banque centrale, là, qui est Jean-Baden Dubois, je dois écouter l'ambu pour nous arriver à joindre matérialisation programme ça, qui est un programme criminel et que il prend monter gaz là. Deuxième point sous lui même pour fixer position, c'est un gros pas qui sont fait là dans quatre batailles politiques là. Côté finalement, Zami Accord Montana, yo, les signataires de l'accord de Montana ont compris la nécessité de se distancier par rapport à M. Ariel Henry, qui t'a passé dans Tintin. Nous rappelons comment et Ariel Henry était même arrivé dit que M. Montana, ça, c'est joué de il a fait. Non, pas que tout le monde qui par contre ça a fait. Mais nous-mêmes, nous avons fait ça bien avant. Et c'est ça qui fait tout. Nous sommes dans la RIA, nous sommes rédigés un paquet d'actes, nous sommes adressés à l'ambassadeur, pays qui est plus riche. Et côté nous avons demandé pour suspendre, soutenir monsieur criminel PHTK, l'encraser le pays, l'emmettre le pays, il y a une ambiance de kidnapping, insécurité et latrier. Et troisième et dernier point, sous les mêmes nabgains pour nous fixer position, c'est Jean combattant, collègue, la Soudia là. Et que finalement, fok peuple là sous qui colle, fok peuple là assumer responsabilité, parce que kounya là c'est préparé à préparer yo pour yo enterrer nous. Le premier point qui c'est affaire programme et staff monitoroid et programme non. Et dernièrement, nous avons eu la possibilité d'assister ou bien de suivre, si vous voulez, le point de presse du ministre de l'économie et des finances, M. Michel Patrick Boisvert, et du gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, M. Jean-Baden Dubois, côté au tabac, quelques clarifications autour de une signature d'un accord avec les agents du Fonds monétaire international sous affaire programme. Ça, qui c'est Staff Monitoring Programme. Pas oublier nous autres dans l'enceinte de l'espace de mobilisation nationale, nous n'avons jamais de cesser de rappeler pour l'attention du peuple haïtien que prix produit première nécessité ou est cap monté chaque jour bon Dieu mettez. Prix gaz là, ouais chaque jour bon Dieu mette, tapé de monter, pile ak paquet frein ak sen yo. Nous ouais chaque jour bon Dieu mette, kap enfoncé dans la misère, ça, c'est pas une fatalité. Et que, il y a des acteurs internationaux, il y a des structures internationales qui se sont méchamment engagées à contribuer à l'aggravation des conditions de l'existence du peuple haïtien. Et j'en toujours dit là, comment on fait? C'est l'en nommer l'en pouvoir en Haïti, c'est l'en nommer l'en palais national, l'en primature, l'en série post-clé des restes avec, des incapables, des subalternes, des gens qui n'ont pas de caractère, comme Ariel Henry, Michel Joseph Matelier et l'autre encore. Eh bien, je vous dis là de quoi ça a passé, mais ça a passé. Jean-Michel Patrick Boisvert avec Jean-Baden Dubois Sodilla, les agents du Fonds monétaire international viennent de faire une promesse absurde à moucher Ariel Henry. Côté dit, attendez non, Ariel, sauve-les que nous accompagnons, sauve-les nous procéder à la matérialisation du programme économique, ça, mais ça va faire. Vous devez cesser de subventionner des produits. A fait bagaille gaz là, quand même ça sec, pas subventionner gaz encore. Quitter gaz là monter sous deux peuples haïtiens. Et que c'est seule condition qui pour fin nous-mêmes, l'FMI, continuer à collaborer avec vous, soutenir avec vous. Et que nous n'avons pas même besoin de rappeler ça. Nous connaissons que l'en commencement 2021 et même l'en mi-temps l'année 2021, peuple haïtien, pas de grand goût comme ça. Peuple haïtien,
pas de connaît pile ak paquet moment difficile ça yo et que c'est après yo fin procéder à augmentation prix carburant qu'on pral roi ti pain qui t'a vendre 100 qui t'a vendre 50 goud vin coûter 100 goud galon l'huile là li vin coûter presque $350 la français la $400 haïtien ti galon l'huile là qui ça fait ça c'est augmentation prix gaz là. Et que, comprenez bien, plus gaz là a monté, plus prix produit première nécessité a monté plus haut, et plus le peuple haïtien a enfoncé davantage la misère, la grand goût. Et que a remarqué, sorti de Wapwe, Wapwe, population haïtienne, non, vient devenir une population mendiante. Même on a mouru, pas grand rien encore de Wapwe. Et que pour aucune raison, nous pas qu'à croiser bras non pour accepter que Ariel Henry avec toute équipe délinquant lio continue à procéder à augmentation prix carburant et que cette fois-ci si on monte prix carburant nous tout a mourir. Et deuxième point pour nous fixer position sous lit c'est écart et l'écart que les signataires de l'accord Montana viennent de prendre au cours du week-end, ça là, ou bien la semaine qui s'est passée là. Nous autres, dans l'enceinte de l'espace de mobilisation nationale, nous avons toujours souligné pour attention tout le monde que l'accord, c'est la principale stratégie, mesdames, que M. PHTK, et pas accord, non, dialogue, c'est la principale stratégie, mesdames, que M. PHTK a eu. Sorti sous Matéli, passé par Jovenel, rivé sous Ariel Henry, que yo toujours utilisé pour passer moun lan tintin. Et que mon cher Ariel Henry, depuis 20 juillet 2021, qu'il rentrait en dans primature là, monsieur n'a jamais eu l'intention de dialoguer véritablement. Pour qui ça? Parce que monsieur sait pertinemment qu'il n'est redevable qu'à l'égard des criminels internationaux et des assassins faisant partie de l'équipe PHTK. C'est envers moun sa yo, monsieur connaît le redevable. Il n'y a pas de pouvoir avec les Haïtiens. Il connaît pertinemment que son tweet qui mettait là, il connaît pertinemment que son structure criminelle qui s'appelle PHTK, qui contribuait à mettre là, et qu'elle était ouais, comment il était mangé Jovenel Moïse. Et qu'il sait pertinemment qu'il doit prendre des précautions pour ne pas manger le même genre avec Jovenel Moïse. Voilà pourquoi M. Dugan a que seul maître qu'il gagne, c'est l'ambassade pays les États-Unis, l'ambassade pays la France, l'ambassade pays Canada, avec Michel Joseph Matéli, qui c'est pigo criminel dans le PHTK. Et que l'elle t'a invité moun pour te aller entrer dans le dialogue avec elle, il faut que nous te déjà comprendre. Que c'est temps que nous avons perdu. Et que c'est même Ariel ça par la suite, qui t'a passé mon Montana ou l'antintin, qui t'a dit son paquet si mon cap joué et joué terre. Et que pendant que je me rappelais, pendant que t'as tant Ariel Henry pour t'aller négocier avec vous, Ariel Henry était boudé, était humilié, la chita avec une série d'autres représentants d'autres secteurs. Les chita avec mon journaliste, les chita avec mon doisu, mais il a trié. Il était mystifié mon ça. C'est parce que monsieur pas vraiment, pas de jambes gagné véritablement intention pour te dialoguer en vue de contribuer à la libération du pays. Non, ça pas de jambes l'en maïdi. Et que je dis là, nous applaudir. Et Moun Montana yo, et signataire accord Montana yo, qui viennent et comprendre question de façon rationnelle, et que ça pral bay possibilité pour que mobilisation vienne plus amplifier. Et que nous avons tant de dans la RIA, et nous avons quitté là depuis bien longtemps. Nous avons tant de Montana et l'autre encore dans la RIA pour nous aller poursuivre avec la bataille là, pour nous arriver à débarrasser le pays de moucher Ariel Henry, qui est représentant de la communauté internationale là, qui est représentant criminel PHTK qui vient craser le pays. Je finis net, je termine, j'en ai annoncé là pour me dire comme ça que. Et je ne dis à la
Il n'y a qu'une stratégie que nous pouvons utiliser pour arriver à libérer le pays. Une seule formule, une seule stratégie. Pas gain deux, pas gain trois. Parce que pas oublier, monsieur PHTK Sayo, qui est soutenu par la frange la plus réactionnaire de la communauté internationale, ils sont disposés, ils sont prêts à rentrer dans toutes les logiques, généralement quelconques, pour continuer à s'accaparer du pouvoir. Il a fait massacre, il a fait assassinat. D'ailleurs, si vous avez collaboré avec kidnappé, avec délinquant, avec voyou, ce n'est pas faire l'autre sacrifice pour rester au pouvoir. Que vous n'avez pas fait, il a fait tout le bagaille. Mais pas oublier, vous connaissez pertinemment qu'ils se sont déjà impliqués dans la perpétration de toutes sortes de crimes. Ils ont volé la rampe au Caribé, ils ont massacré les gens par-ci par-là, ils ont volé les copes d'hermalogue, ils ont tué les gens par-ci. Ils ont fait tout le bagaille. Et que seule formule, la situation si complexe que nous supposons utiliser pour nous résoudre le problème, non, c'est la population qui peut mettre tête ensemble. La population supposée mettre tête ensemble pour nous mobiliser. Pour nous mobiliser, pour nous dénoncer implication ambassade pays qui pire riche yo, la détérioration situation. Pour nous dénoncer assistance que en pays qui pire riche yo, toujours bail en Haïti, l'enquimbé au pouvoir des criminels, des assassins, des trafiquants de drogue, des trafiquants d'armes, des trafiquants de munitions, des blanchisseurs comme Ariel Henry, Michel Joseph Matéli. Parce que pas oublier, PHTK pas pour compte lui. PHTK, c'est une structure criminelle qui a toujours trouvé toutes sortes d'assistance de la part des ambassades des sociétés occidentales. Ambassade des États-Unis, soutenir PHTK. Ambassade de la France, soutenir PHTK. Ambassade Canada, soutenir PHTK. Gouvernement américain, soutenir PHTK. Et c'est ça qu'il faut, ouais, que Ariel Henry, de côté de là, tête frette. Et que celle formule pour nous utiliser, son soulèvement général, son bataille totale globale, pour nous faire, pour nous déclencher dans le pays, contre l'ambassade pays qui est plus riche, et particulièrement contre PHTK, qui a Major Jol qui a dirigé le journée aujourd'hui, là, qui c'est M. Ariel Henry. À bon entendeur, salut. Une bonne question. Et sur une question à Comandana. À Comandana, tu as parlé avec Ariel Henry. Est-ce que c'est pas comme tellement de population? Moi-même, tu as dialogué, donc pour essayer Ariel Henry, pas appeler négocier. Son angle diplomatique, ça a bon sens. C'est la perspective pour te montrer bonne foi. Mais cependant, bon bah pour nous dire, c'est que tout bon péché, bon erreur que Moun Montana a commettre. Qui erreur que vous commettez? Même pendant une seconde, et signataire accord Montana, vous pas de jamais accepter Achita avec Ariel Henry. Pour qui ça? Parce que tout le monde connaît pertinemment que Ariel Henry, c'est pas un secteur, c'est pas une frange haïtienne qui a contribué à mettre M. Kotelia là. Tout le monde connaît que c'est ce groupe-là qui mettait Ariel Henry là. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire clairement que accepter d'aller s'asseoir pour dialoguer avec M. Ariel Henry, c'est contribuer à légitimer la nomination qui a été faite par cette structure méchante qui s'appelle Corps Groupe. Elle a dit dès le départ, je pense qu'il faut que tu aies ça. Il faut que tu dises par le fait que Ariel Henry pas de sorti dans la pièce élection, par le fait que Ariel Henry pas de sorti dans la pièce accord, par le fait que Ariel Henry pas de pièce légitimité, et que Sinal Chita Avel, c'est d'accord que la communauté internationale a continué nommer Moun comme président, comme premier ministre en Haïti. Ça, c'est une erreur monumentale que les signataires de l'accord Montana ont commise. Son erreur monumentale. Donc, quand il y a nous, on est sur chemin pour réparer ça, pour redorer blason, nous pas gagner danger, nous content et demander tout l'autre secteur, tout l'autre signataire différent, l'autre accord pour suspendre dialoguer avec Ariel Henry pour venir nous dans l'arrière dans quatre batailles nobles ça que nous